Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Le Premier ministre Kassori Fofana vient enfin de s'exprimer face à la crise politique que traverse actuellement la Guinée. Le chef du gouvernement guinéen qui s'est adressé ce vendredi 24 janvier 2020 à ses compatriotes. Allez, c'est parti. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous au moment où notre pays amorce une année décisive pour sa démocratie, éprouvée ces derniers jours par des événements tragiques et regrettables. Pour cela, 2020 est une année décisive pour l'avenir de notre pays. Donc, chacun de nous devrait se sentir pleinement responsable. Quoi qu'il arrive, quels que soient les enjeux, personne n'a le droit d'engager notre nation dans une voie sans issue. Chacun de nous doit mettre au-dessus de tout, de toutes les ambitions ou toutes les considérations, la Guinée. C'est notre bien à chacun et à tous. Oui, la Guinée d'abord. La Guinée est et doit demeurer une et indivisible. Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs sous le régime de la démocratie et de la République. Aussi faut-il le rappeler qu'il est du devoir de l'État et de la responsabilité du gouvernement de garantir la liberté et la justice pour tous. En effet, dans une république, aucun citoyen ne doit se rendre justice ou prétendre faire la loi. C'est de notre responsabilité individuelle et collective de respecter le contrat social auquel nous avons librement souscrit. Personne non plus, dans une société démocratique, ne peut s'affranchir et sous aucun prétexte des lois de la République ou mener des actions en marge des droits et limites reconnus par la loi. Mes chers compatriotes, les événements en cours dans notre pays, en particulier à l'abbé Lelouma Pita d'Alaba et Télimélé, interpellent le gouvernement, l'État, les citoyens et toutes les bonnes volontés. La destruction d'édifices publics, de biens privés, les attaques répétées contre les symboles de l'État, les agressions et les violences contre les représentants de l'État et de l'administration publique ne sont pas acceptables. Ils ne sont pas tolérables dans toute société civilisée ou dans tout État digne de ce nom. Cette loi doit cesser immédiatement et impérativement. Chers compatriotes, le gouvernement déplore et condamne avec la plus grande fermeté et la plus grande énergie les dérapages de ces derniers jours avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Nous devons tous savoir que la chasse organisée contre les administrateurs publics et les fonctionnaires est de nature à saper les fondements mêmes de la République, de nos lois, de nos coutumes et de l'hospitalité légendaire des populations guinéennes. De tels actes répréhensibles, condamnés par nos lois et contraires à la pratique de la démocratie, contraire aussi à nos valeurs et traditions propres, n'honore pas notre pays. Ils exposent leurs auteurs et commanditaires à des poursuites, comme cela est dans tout état de droit, devant les juridictions compétentes.
Chers compatriotes, faut-il le rappeler, notre pays se distingue dans une sous-région troublée par sa tradition de paix et de sagesse. Nos populations, quant à elles, sont réputées pour leur hospitalité généreuse, leur tolérance et leur patience à toutes épreuves. Notre pays doit garder ses valeurs, préserver son unité dans son identité plurielle et sa riche diversité. Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, garant de l'unité de notre pays et soucieux de la cohésion nationale, me charge d'exhorter toutes les populations au calme et à la retenue, d'inviter tous les citoyens à ne pas céder à la provocation et aux tentations de violence ou de réaction à la violence. Monsieur le Président de la République, par ma voix, exprime également sa compassion et la solidarité de l'État à toutes les victimes des violences et a instruit par la même occasion le gouvernement de la République à se tenir à leur côté pour le soutien et l'accompagnement nécessaire dans leur quête légitime de vérité et de justice. Mes chers compatriotes, le gouvernement de la République est déterminé à ne pas laisser s'installer dans notre pays un climat de violence contre les populations et de défiance à l'encontre des institutions légitimes de la République. Il n'y a pas d'alternative à la responsabilité si nous ne voulons pas remettre en cause nos acquis démocratiques, si nous ne voulons pas compromettre la paix et la cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est engagé, fermement engagé, à ne ménager ni effort, ni moyens pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République en appelle au sens civique des populations et à la responsabilité des acteurs, de tous les acteurs sociopolitiques et des leaders d'opinion. L'heure est à un véritable sursaut patriotique et républicain de tous les Guinéens. Il n'y a pas d'alternative à la démocratie et aucune solution au problème du pays ne pourrait être trouvée en dehors de nos lois et institutions, dans un dialogue constructif. Mes chers compatriotes, c'est dans les moments difficiles que chacun doit s'assumer face à ses devoirs et face à ses responsabilités. La Guinée est notre seule patrie. Nous devons la préserver à tout prix, et pour nous-mêmes, et pour les générations à venir. C'est une responsabilité individuelle et collective, et devant la nation et devant l'histoire. Vive la République, vive l'unité nationale, vive la démocratie. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.